السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهيد فرنسي يتكلم عن أحد أسباب عدم زيارة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون إلى فرنسا. تابعوا معنا هذا الفيديو. Président Tebboune ne viendra pas en France de sitôt et maintenant on sait pourquoi. En effet mes amis, et ça fait des mois et des mois qu'on parle de la visite du président Tebboune en France. Et on se disait mais pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien on a enfin une des raisons de ce blocage et c'est notamment le fait que la France bloque la restitution du burnous, hein, de la cape et de l'épée de l'émir Abdelkader, un héros national algérien. Et oui mes amis, le président Tebboune il devait venir en France déjà faire une visite du château d'Amboise où a vécu l'émir Abdelkader pendant un certain temps et qui est vraiment un très très beau symbole d'amitié franco-algérienne. Et tout ça, ça bloque parce que la France devait, normalement, sur demande de la commission des historiens franco-algériens, remettre le burnous et l'épée de l'émir Abdelkader à Abdelmadjid Tebboune lors de sa visite. Et évidemment, bah, il bloque. Donc du coup, Ahmed Attaf, hein, le ministre des Affaires étrangères algérien, dit, bah, moi je veux bien organiser des visites de Tebboune, mais je suis pas là pour faire guide touristique, tu vois, ça peut pas être un tour touristique, faut quelque chose. Et parce que le président Tebboune, il vient pas à Paris pour regarder les rats de Hidalgo ou pour voir les crevards de la colline du crack. Ça l'intéresse pas, si tu veux, pour voir des trucs dégueulasses, il peut aller ailleurs. Donc si tu veux, lui il vient pour récupérer une épée et un burnous et on lui dit bah non, Walou, retourne dans ton pays. Hein, et Tebboune, il a pas envie de venir. Hein, c'est normal, tu vois. Allez, on espère que la France se ressaisisse un tout petit peu parce que ce burnous et cette épée, c'est très symbolique et pour les Algériens, c'est très important. Et pour les Français en vérité, pas tant que ça.